Regarde. Ah, ça, c'est pour changer un peu, comme c'est ça. Faut D'accord. que ça soit original, non? Ouais, c'est très original. Putain, je peux Allez, juste le voir d'habitude, je dis quand juste tu le ça nous spawn. tente. Ça nous tourne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur RTMC et pour un pillage, c'est Patatogen qui paye le Wither et qui dirige le pillage. Et on est avec Ah. Horror Team, Tu peux Nicobar, lâcher Rodark le et Patatogen. chemin. Bon, pour faire court, nos deux principaux alliés étaient étaient Rage et Ashketil, qui se sont fait raid, qui ont abandonné leur base et au lieu de, comme prévu, nous rejoindre, ont décidé de créer leur propre faction au Canada, qu'ils ont appelée l'Alliance. L'Alliance s'est fait surclaim parce qu'ils n'ont pas été prudents du tout, ils se sont fait spawn kill et la Somerset les a raid. La Somerset Yuan et Oberhausen se sont alliés alors que Yuan était de notre côté, du côté de Rage à l'origine, et ont décidé de faire régner leur puissance sur le serveur. Puis il y a une autre grosse fac, Goulag, qui s'est ramenée, qui a raid les trois, et ils se sont un peu calmés. De notre côté, Horror et moi étions en vacances pendant un moment, mais vous avez quand même eu des vidéos parce que j'avais pris de l'avance. On est revenu, d'ailleurs, merci beaucoup à Perrault d'avoir pris le soin de l'Alliance. De notre faction plutôt, pendant qu'on n'était pas là. Nicobar a fait son apparition, je sais que je vous en parle beaucoup. Nicobar, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différences avec la Horror Team? Moi, personnellement, je considère que les joueurs qui sont dans Nicobar sont comme dans Horror Team. C'est une deuxième faction pour les joueurs à l'origine, pour les joueurs qui feraient moins de PVP et qui préféreraient construire leur maison. Si vous nous rejoignez, généralement on vous demande de rejoindre Nicobar d'abord, et si vous êtes fort en PVP, etc., vous pouvez rejoindre Horror Team. Actuellement, Horror Team dispose des mêmes. Enfin, Nicobar dispose des mêmes installations que Horror Team, donc vous ne perdez rien à être chez Nicobar plutôt que chez Horror Team, à part peut-être un petit peu de sécurité au niveau des coffres, parce que Nicobar c'est des maisons et Horror Team c'est une base claim. On ne s'était jamais fait raid, ça a changé, Yuan a décidé de nous raid alors que la Somerset avait raid nos deux alliés. Ils ont plus ou moins réussi, au total j'ai compté 7 Wither, il y en a 2 qui ont réussi à détruire les installations de la base. En fait notre base ne vole pas parfaitement et elle est accessible par le dessus tant qu'on n'a pas fait tout le cube. Du coup... c'est un peu galère. Dans le prochain épisode, on va voir un peu plus ce qu'il en est sur les constructions de la base. On va changer nos plans, je sais. On s'est fait raid, du coup, on va changer notre plan de construction de la base, de la base claim, et je vous sortirai sûrement une autre série de vidéos, base claim impliable V2. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, ça coûte rien, ça permet que je gagne en visibilité, en plus vous ne manquerez pas mes prochaines vidéos qui, je l'espère, vous plairont tout autant que les premières, même si peut-être que la qualité de vidéo augmente au fur et à mesure de l'aventure. Et si jamais vous êtes déjà abonné, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour me montrer à quel point la série vous plaît. Faut que vous vous écartiez un peu du coup pour que j'ai le focus. Voilà. Ah, j'ai pas pris la régène. Je vais regarder quand il spawn et après je me taille. Ok, on tape. Non, personne ne tape le bizarre. What, il a pas pop. J'ai coupé l'écho. Je crois que ça marchera pas, non? Avec la Nezora comme tout. Y a pas de raison. Mais ça dépend, il y a 3 trucs. Donc ça marche pas. Oui, justement, c'est la Nezora qui bloque. Ah, bonjour. Faut remettre la dernière. Bonjour. Il y a peut-être. Vas-y, remets la dernière. Ah, c'est bon. Oh mon dieu. C'est Lily qui s'occupe du Wither, personne ne tape au Wither. Oh mon dieu. Ah, j'ai pas envie de me faire buter. Oh putain.
Ah, ça tombe. Il est rentré direct dans la base. Il est tout près de la base. Lily, je vais le faire, il est rentré dans le petit truc. Oh non, ça lag. En fait, vous pouvez m'aider au début. Aïe! Je me dis, c'est normal, heureusement que je suis écarté. Ah, vous pouvez quand ça perd. Là, il y avait des moutons. Oh, t'es capable des moutons? Et des vaches? Moi! Perso, je comprends pas, je crois. En fait, c'est moi, une focus. Oh, ouais, voilà, c'est brutal. Il va me faire un plaisir avec tout ça, quoi. Tu le pas. Non, Warrior, mais tu Warrior, 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 pas plus de dégâts que ça. Pas taper, mais il y a Warrior. Ah, dommage, je comprends plus. Parce que vous avez monté le pseudo. Les gars. Bon, ça, c'est leur truc à animaux, donc on va aller vers l'autre. Les gars, ici, les gars, il y a aussi 80 minutes. Le truc est dans la base. Ah, il y a un truc. Non, mais non, j'ai essayé de lui mettre. Les coques vont péter. Hein. Ah, je vois. Oh, il y a un petit. Le stock, ça passe pas. Donc, vous êtes rentré dans un autre. Ouais, ouais, ouais. Venez, il y a du stuff ici, je pense. Lily, c'est là-dessous, la salle des coques. Oh putain. Ah bon? Regardez, il y a des pièces. C'est dans le coup ici. Oh, ben, venez ramasser des trucs, hein, vu qu'ils nous attaquent pas. Vous récupérez les pioches en verre et les trucs. Oh, il y a des coffres là-bas, j'ai fini ce que j'ai trouvé. Ah, c'est que des coffres. J'ai carrément trouvé d'une armure en DD. On s'en fout des blaze rods. Oh, je lag. Et il va y avoir des livres. Je crois que je vais mourir. Ça tourne un petit peu. J'essaye, il m'a bloqué une fois. Ah, il a pas tardé. Ah, il y en a qui n'ont pas tardé à mourir. Bah, moi, j'ai vu un mot. Moi, d'ailleurs, j'avais vu. Faut essayer de casser. Faut essayer de casser ce qui est intérieur. Ah, ou Patato Gain, d'ailleurs, si tu nous entends. Ah, il a un B3. Ah, le Wither Rebel. Faut le retaper, il a plus toute sa vie. Enfin, il a trop de vie. Évidemment, j'ai pas d'arc. Oh non. Oh, j'ai plus de vie sur mes armures. Faudrait que quelqu'un vienne prendre le relais. Oh, il est là. Erreur, je vais faire un tour au thème. Ah, il est là. Moi, je pense que j'ai besoin d'un coffre. Ah oui, évidemment. Évidemment. Il est bon, il est en revient. Ah, il est pas encore en revient. J'ai mis un coup. Tu le pousses, ça? Oui, je le pousse par le haut. D'accord, moi il me focus pendant ce temps-là. J'arrive pas à trouver la commande. C'est FC Point. Pour checkpoint, c'est FC Point. Et après, tu bouges pas pendant 10 secondes. Là, on est trop haut, non? Non, on est trop haut. Ouais, on est trop. Ah, c'est bon, il est en bas là. Il s'approche. Tiens, il me tient dessus. Venez dans la salle des coffres. C'est bon. Ça va ouvrir, il va falloir que vous récupérez les stuff dans les coffres. Aïe! Aïe, mais... Ah non, monsieur Louiseur, n'essaye pas de passer par au-dessus, passe par en bas. Putain, en plus, mais pourquoi il m'attaque, moi? Ouais, déjà j'en ai fait. Hop, il y avait des popos. Oh, de vision nocturne. Les popos les plus intéressants, c'est poison, dégâts instantanés, parce qu'on peut plus les refaire. Quelqu'un peut écrire la commande dans le chat. Et puis si même vous pouvez regarder sur les panneaux, on peut peut-être trouver directement Roche. Oui, du force, c'est de la régène là, j'ai. Machine à lag, saut, matériel de redstone. Faut le pousser au milieu, bon, ça fait le milieu, il y a que ça fait un diable, c'est pas. Ok, je vais au milieu. Oh, du sable.
Encore plus d'anniversaire, dans le de... Tu vois les hormis du milieu. Elle est bien plein de... Oh, les blocs de diams qui a un sol. Il y a des blocs dehors. Oh, des blocs de diams. Vas-y. Attends, je veux... Attends, je vais juste mon ventre. Récupérer. Vous en massez. On tue pas mis de l'air. Attends, on y va. Oh, mais vous êtes où? Je vous laisse peut-être trier le stuff. Attends, c'est où les diams? Mince, il va me falloir un casque. Ils ont c'est, déjà par où, les diams c'est par où les diams? C'est comme ça, il y a quand même... Il est plus sur moi, Louisa. Ah, bah si, c'est là. Ah, qu'est-ce que quoi? Ah, non, c'est là. Il y a encore plein de stuff au milieu, je pense. Ouais, mais j'ai plus de vie sur mon casque. Alors, je m'en occupe, les diams. Ah, voilà. Putain, FDP! Au cul de sa mère, il me focus. J'arrive. Au cul de sa mère. Le tapa warrior va t'en juste. Oh, regardez le stop diams. Ouh. Oh partout. Oh putain. Oh putain, je veux. Oh je veux. Oh je veux. Putain, je bug. Non, allez, c'est bon du stuff. Il y a un stuff. Oh les gars, il y a un stuff. Oh. Mais trois. Ça sert à quoi? Le stuff on s'en fout. Ça sert à quoi? Putain, je bug dans l'ombre d'ailleurs. C'est pas le seul à bugger, je crois. Ouais, il y a trop d'items par terre. Moi je m'as de stuff en moi. Et sûrement oh, le bizarre. Je... Ouais. Bon, j'aurais il y avait pas de la case d'éco. Ah là, parce que je suis tellement content. Si vous voulez les goûter là maintenant, il les a bien goûté là. Ah, il y a des popos de soins. C'est souvent ça. C'est rare. D'ailleurs, vous avez déjà tué un. Oh, la Nether Star, je l'avais. Elle est là-bas. Tiens. Patate Learn. Patate Again. Ah, oui. Bon, voilà, du coup, c'est fini le pillage. Voilà à quoi ressemble la base après notre passage. Je ne l'aide plus, c'est très bien. Voilà, c'est comme ça. Donc, on a pété à peu près tous les coffres. On a récupéré les vaches. Si vous voulez savoir, elles sont en sécurité. Vous ne saurez pas où. Dans la War Team. Et niveau pillage, de notre côté, on a récupéré 53 blocs de diams et des trucs divers et variés sur le mur. J'ai aussi utilisé mes 30 niveaux pour réparer de l'armure. Et j'ai encore plein d'armures à réparer dans mon inventaire. J'en ai déjà réparé deux qui n'étaient pas très chers. Et on a récupéré des trucs divers et variés, des potions... Ah, il y a des potions résistance au feu. Ah non, c'est célérité, c'est trop bien. Des armures en fer. Alors, on a récupéré quelques armures en diams. Et voilà, donc c'était pas si mal. Ah, il y a des blocs d'émeraude. Blocs d'émeraude, je vais les garder. Non, bah c'était pas mal, les blocs d'émeraude. Et du fer, on va le faire fondre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et pendant ce temps, moi je vous dis à bientôt.